Bonjour tout le monde. Je crois que je connais à peu près tout le monde. Qui vient pour la première fois? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous embêterai peut-être pour savoir comment vous nous avez connus, c'est toujours intéressant. Donc on reçoit Jean-Philippe et Eric qui vont nous parler de GitLab et de Kubernetes. Je laisserai vous expliquer mieux que moi leur talk. Donc comme d'habitude, on filme et on photographie la séance. Alors on vous pas normalement de pleine face comme ça, mais si vous voulez pas apparaître sur les photos, dites-le nous et on essaiera. Et le film, de toute façon, c'est simplement sur l'écran. On fera une collation pizza après. Qui est intéressé pour rester manger une pizza? Juste pour compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas que j'oublie le videur qui est à l'entrée. Merci à nos sponsors qui nous suivent depuis le début. Donc MAM qui nous permet d'être ici, AppSitop et Ascensi, donc deux ESN Tourangelle, et un sponsor anonyme qui a eu la gentillesse de nous faire un petit chèque pour que Tadix continue. Merci encore à lui. Calendrier, on a la FUP. J'ai personne de la FUP? Non. 25 mai, qui Bonjour. fait du coup un meet-up. Il me semble que c'est comme d'habitude au CEFIM, à vérifier sur leur meet-up. On a une coquille sur le titre, c'est pas du tout GitLab M Kubernetes. On a Simon Jaillet qui vient, c'est un sujet agilité. On demandera à Fanny quand elle sera là, elle sait mieux que moi. Et je le rappelle, nos copains du Camping du Speaker, très beau t-shirt Jordan. 15 et 16 juin, et si vous n'avez pas des places et que ça vous intéresse, vous rentrez Tadix Love Camping et ça vous fait 15 ou 20% de réduction sur la place pour aller au camping des speakers. Nous, si vous ne nous connaissez pas, donc Fanny qui était à l'entrée et moi-même qui suis devant vous, on peut nous joindre sur tous ces handles, aller voir le site web. On fait toujours un petit coucou à Roxane Gianpao qui nous a fait tout l'habillage et tout l'aspect joli parce que, encore une fois, pas trop mon truc. Assez parlé, je vais vous laisser la main, Jean-Philippe et Eric. On va juste faire un changement de micro et je vous laisse vous expliquer pourquoi Kubernetes et GitLab. Pourquoi t'as dit que c'est merde? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc là, on va vous parler, c'est simple, je pense qu'on va parler un peu de GitLab, un peu de Kubernetes et aussi vous montrer l'amour fou qu'il y a entre les deux. Plutôt dans un sens d'ailleurs, et voir comment en fait on va pouvoir manipuler notre infra cube dans GitLab directement. On va se présenter rapidement, je vais commencer. Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant à Zenica à Nantes, et je fais pas mal de trucs au niveau de l'open source qui m'a permis d'arriver dans des programmes communautaires de GitLab et de Gitpod. Si vous ne connaissez pas, c'est peut-être un TEDx pour Gitpod, mais il y en a d'autres. Et du coup, je suis co-organe un meet-up Human Talk, et puis je m'amuse aussi avec des enfants pour leur montrer comment on fait du dev dans tout ce qui concerne le DevOps for Kids. Et donc moi c'est Eric, du coup je fais un peu moins de choses communautaires en ce moment, mais du coup voilà, je travaille pour une société qui s'appelle Amadeus, donc plus orientée voyage, et j'ai encore le titre de Google Developer Expert, donc, parce que j'adore jouer avec le cloud, avec Kubernetes, tout ça, tout ça. Tu es con? Alors, pour commencer, on va parler de la première partie du titre, GitLab. Je ne sais pas qui ne connaît pas GitLab. Ils n'osent pas. Okay. Ils n'osent pas. Ils Ou osent qui pas. connaît GitLab alors? Qui l'utilise au quotidien? Ok. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un produit qui a été créé en 2011. On a fêté les 10 ans il y a 2 ans. On a fait un petit événement entre GitLab Heroes. C'était marrant. Enfin, nous, en tout cas, on s'était bien amusé. Et il y a une particularité qui est bien sympa, c'est qu'ils font ils sortent une release tous les 22 de chaque mois. Là, on s'en sort bien. C'est après, quand la release est avant, ça peut on peut s'amuser quelquefois. Et du coup, ce qui est important, c'est que c'est quand même open source et que du coup, la communauté, elle est quand même vivante. Vous allez voir que ça va jouer sur notre talk. C'est que du coup, il y a pas mal de features qui sortent tous les 22 de chaque mois. Et du coup, on est au mois de mai, ça va être une version majeure qui sort. C'est le GitLab 16. Si vous aimez GitLab, normalement, on va animer un truc autour du GitLab 16. Je ne sais pas encore quand, mais bientôt. Il faut que j'organise ça. Du coup, GitLab, donc historiquement, on sauvegardait le code source. Voilà. On avait du Git qui était branché derrière. On pouvait versionner notre code, mais du coup, ils ont évolué en voulant être une plateforme DevOps. Du coup, ce fameux 8 où on va pouvoir gérer notre projet en fait, de la conception
bien sûr, le développement, le déploiement, la sécurité, le monitoring. Voilà, on va pouvoir faire plein de choses et en fait vraiment avoir toutes les phases de votre projet dans GitLab. Alors, je reprends des slides de leur site. Hein. Ils ont voulu montrer un peu tout ce qu'ils savaient faire, toutes les étapes de votre projet. Donc, normalement, même si vous n'êtes pas dans GitLab, vous connaissez un peu tous ces mots-clés. Alors, on ne va pas tous les parler aujourd'hui, hein, ce n'est pas du tout le but. Mais en gros, on est capable de faire beaucoup de choses dans GitLab. Et souvent, en fait, toutes les features ne sont pas connues. Et donc là, on va peut-être vous faire, j'espère, découvrir des features autour de Kubernetes. Donc, pareil, bah, qui ne connaît pas Kubernetes? Personne. Donc juste rapidement, en fait, Kubernetes, c'est pas allumé, si c'est allumé. Quand on va. Bon, c'est pas grave. Hop, on va changer. Hop. Donc Kubernetes, hein, donc c'est devenu plus ou moins un standard de facto. Hein. Bon, c'est pas un standard dans le sens où il n'y a pas une autorité qui va réguler ça. Mais maintenant, en fait, si on veut faire du conteneur applicatif à l'échelle, on va vraiment toujours avoir du Kubernetes. Il y a eu énormément de produits qui ont été créés pour gérer cette problématique de gestion à l'échelle, d'infrastructure et d'applicatifs. Mais voilà, c'est vraiment le modèle, le produit maintenant qui est vraiment quasiment partout. C'est un produit aussi complètement open source, donc ce qui est quand même assez intéressant. À la base, c'était un projet de chez Google qui a été donné à la communauté. Et du coup, en fait, au moment où ce projet a été donné à la communauté, une fondation a été créée qu'on appelait la Cloud Native Computing Foundation, qui maintenant gère énormément de projets autour de Kubernetes, mais pas que. Donc on va pouvoir gérer avec Kubernetes un ensemble de ressources, soit des machines, on va pouvoir aussi gérer un ensemble d'applicatifs. L'intérêt, c'est même si on a des applicatifs Python, Ruby, Java, Go, whatever, on n'a pas besoin d'installer des choses sur nos différentes machines directement avec le modèle du conteneur. On va pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc, l'intégration Kubernetes et GitLab, en fait, comme a montré Jean-Philippe, c'est un projet, en fait, GitLab tel que forcément, il voulait aller s'associer avec le projet maintenant qui est devenu plus ou moins un standard. Et donc, il y a plusieurs intérêts, en fait, d'avoir Kubernetes avec du GitLab. Les premières utilisations, hein, généralement, c'est on a notre intégration continue, on veut la faire tourner facilement un peu partout. Et bien, l'intégrer avec Kubernetes, ça nous permet d'avoir des runners générique à la demande, on n'est pas obligé de les pré-provisionner, on n'est pas obligé de les configurer, on va directement pouvoir avoir ça. Et aussi l'idée, c'est potentiellement de gérer depuis GitLab la partie environnement. Alors c'est typiquement, ça fait partie des rebondissements en fait, entre le moment où on a commencé à donner cette présentation et maintenant, où là, voilà, il y a eu quelques petits rebondissements par rapport au deuxième point. Pour se connecter à un cluster, hein, donc il y a différentes manières forcément. Donc il y a les manières standards en dehors de GitLab, mais même avec GitLab, on va pouvoir facilement se connecter. Tout ce qu'il va falloir donner, c'est finalement notre fichier de configuration qui nous permet de connecter au cluster Kubernetes. On peut même utiliser des images qui n'ont pas forcément été prévues pour GitLab, mais tout ça, ça se fait relativement facilement. Par exemple, une injection d'un fichier ou une injection d'une variable d'environnement, c'est assez simple. Et donc si notre GitLab tourne lui-même dans un cluster Kubernetes, avec le mécanisme d'exposition de tokens à l'intérieur du cluster, on va directement pouvoir interagir avec le cluster si on a suffisamment de droits, bien sûr, mais on va pouvoir directement, depuis un runner GitLab, par exemple, déployer dans notre cluster facilement. Alors, on ne veut pas faire non plus un cours sur toutes les notions Kubernetes, Helm, etc. Mais forcément, il faut quand même avoir au moins quelques petites notions de base en fait, par rapport à Kubernetes et Helm pour pouvoir comprendre en fait, la suite de comment Kubernetes est intégré dans GitLab. Donc voilà, juste quelques petits rappels. Une notion en fait, qui est vraiment au cœur des problématiques de Kubernetes, ça va être la gestion à l'échelle. Et donc pour pouvoir faire ça, généralement, on va utiliser ce qu'on appelle des labels. Un label, c'est juste une clé et une valeur en texte. Mais l'intérêt de ça, en fait, c'est que derrière, on va pouvoir sélectionner des labels et donc pouvoir appliquer des comportements sur un ensemble de ressources sans prédéterminer le nom des ressources, par exemple. Donc on va voir ça, en fait, c'est assez intéressant. Aussi, une autre notion qu'il y a dans les ressources Kubernetes, ça va être les annotations, où là, l'idée, ce n'est pas forcément de pouvoir les sélectionner, mais ça va être de pouvoir rajouter de l'information sur une ressource sans forcément changer son comportement. Par contre, cette annotation, derrière, va soit être utilisable par des humains,
m'a donné de l'information, voilà, mais aussi par des outils autres. Et donc on verra en fait que cette utilisation est intéressante pour GitLab. Un descripteur, hein, voilà, ultra basique d'une ressource dans Kubernetes, hein, ça va être du YAML avec, voilà, une partie metadata où on a des annotations, potentiellement des labels, etc. Donc c'est relativement simple à définir, mais c'est assez puissant comme pattern parce que derrière on va pouvoir faire pas mal de choses intéressantes. Helm, c'est un autre projet donc, qui est aussi géré maintenant par la même fondation, la CNCF. À la base, c'était une entreprise indépendante qui a été rachetée par Microsoft et du coup qui a été donnée après derrière à la CNCF. C'est amour, gloire et beauté, c'est rigolo. Et l'idée en fait de Helm, ça va être vraiment le package manager pour Kubernetes. Là, l'idée, c'est en une commande, je peux déployer un Elasticsearch, je peux déployer un peu ce que je veux. Si vous voulez le configurer après derrière, il va falloir mettre les mains dedans. Mais voilà, l'idée de Helm, c'est de pouvoir facilement déployer un produit avec pas mal de ressources différentes, mais en une seule commande, de manière assez simple. Le vocabulaire, un chart Helm, bah, c'est un package. Donc, par exemple, si on dit le chart Elasticsearch, eh bien, ça va être un ensemble de ressources Kubernetes qui va nous permettre d'installer un Elasticsearch sur Kubernetes. Donc c'est pour ça, un chart, c'est relativement englobant comme terme, mais derrière, voilà, il y a pas mal de, potentiellement pas mal de ressources qui sont définies et créées. Et donc, vu qu'on aime bien les surcouches, eh bien, au-dessus de Helm, il y a un projet, donc celui-là n'est pas dans la CNCF, par contre, qui s'appelle Helm File. L'idée, en fait, c'est de pouvoir gérer bah, tout ce qui est déploiement de Helm as code. En gros, on va pouvoir faire un YAML qui va référencer des charts Helm et après, derrière, beaucoup de configurations pour pouvoir après changer, customiser le chart Helm qu'on référence. Mais voilà, l'idée, c'est ce projet-là hein, n'est pas géré par Helm. Hein, c'est une surcouche, mais qui est intéressante parce qu'on va pouvoir voilà, faire tout as code, ce qui est pas mal intéressant. Et on peut même gérer les déploiements, etc. Donc c'est vraiment intéressant si vraiment vous êtes en mode, on va le voir après, en mode GitOps, vous allez vraiment tout définir dans votre repo Git de manière explicite. Et donc voilà, après le format de Helm file, alors ça peut, c'est assez verbeux hein, parce qu'on commence à avoir pas mal de généricité, mais en gros, voilà, on va définir d'où vient mes charts Helm. Quelle est la release? Donc la release, ça va être la version que je vais installer du chart avec les values, la configuration. Et donc voilà, on va pouvoir définir pas mal de choses là-dedans. Si vous voulez voir la possibilité d'un Helm file, c'est je ne sais pas combien de centaines de lignes possibles pour le faire. Donc c'est très très souple. Et du coup, au niveau de l'intégration Kubernetes, c'est un peu une drôle d'histoire. Pourquoi historiquement, à notre niveau, c'est-à-dire qu'il y a quoi, 2 ans, on a commencé à faire mumuse un peu avec ça. On pouvait créer dans GitLab des clusters Kube directement sur certaines plateformes, GCP ou d'autres. Et en fait, au bout d'un moment, on a vu que cette intégration par certificat, en fait, elle avait été dépréciée à la version 14.5. Donc là, pour rappel, on est en 15.11, ça fait déjà un peu plus d'un an, et elle a même été supprimée l'année dernière. Donc ça a quand même généré pas mal de problèmes, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'entreprises qui utilisaient Kube, qui utilisaient cette intégration, et qui s'y retrouvaient un peu bloquées. Donc en fait, on ne pouvait plus recréer de connexions et de clusters avec un certificat auto-signé, mais l'existant était quand même conservé, heureusement. Une solution qui allait le remplacer, c'était le Kubernetes Agent Service, le CAS. Bon, ça a changé de nom 3-4 fois, alors du coup, ça pouvait vexer un peu certaines personnes, mais du coup, on va appeler l'agent Kube. Alors, on est entre nous, on peut dire ça. Je crois, hier, ça existe toujours avec ce nom-là. Du coup, l'agent. En fait, l'agent, ça a été initié, donc GitLab, comment il fonctionne, c'est qu'ils prennent une feature, ils vont l'intégrer dans la version Premium. Et une fois que c'est validé, que des correctifs ont été apportés, ça va être mis dans la fonction donc free, la version disponible sur gitlab.com. Et là, du coup, on a vu qu'il y avait un an d'écart entre ça. Donc quand c'est arrivé, c'était quand même un sujet qui était assez sec, ça marchait quand même plutôt pas mal. Une petite frise pour comprendre un peu ce chamboulement. Le certificat est arrivé du coup avant, je ne sais pas quand, mais avant la 13.4. L'agent est arrivé en premium. L'agent free arrive en 14.5 et du coup l'intégration par certificat, entre guillemets, veut dire qu'elle est annoncée dépréciée.
Donc on sent quand même que ça va bientôt partir. Et en 14.10, ça a été supprimé. Donc là, maintenant, on n'a que l'agent. Enfin, on verra après que ce n'est pas fini. Voilà, une drôle d'histoire, ça bouge. La communauté, elle est quand même assez active. Du coup, ça change un peu régulièrement. Donc voilà. Donc en tout cas, l'agent, pourquoi il a été mis en place? Parce que déjà, au niveau sécurité, je ne rentre pas dans le détail. Je suis dev, moi, les trucs de sécurité, ce n'est pas trop mon truc. Mais en tout cas, il y a une partie rapidité d'exécution. Et on était en Ascode. On pouvait configurer notre cluster en mode Ascode, et ça, c'est quand même plutôt sympa. Et à partir de là, on allait pouvoir créer plusieurs manifestes YAML qui vont permettre de configurer notre cluster. Donc, c'est quand même quelque chose qui était plus sympa et plus concret, en fait, pour des personnes comme moi, dev, qui aiment bien voir des choses. Et c'était la solution DevOps, GitOps, pardon. Lapsus. Ouais. Du coup, le GitOps. Alors, GitOps. Qui fait du GitOps tous les jours? Une personne. OK. Et qui connaît GitOps comme terme, au-delà du buzzword? OK. Donc, effectivement, ben voilà, le lapsus de Jean-Philippe est intéressant. Parce qu'effectivement, en fait, on commence à avoir, depuis le DevOps, en fait, on voit des termes machin ops tout le temps. Il y a même les sysops, ce qui est génial. Ce qui est génial quand même. Et donc, effectivement, moi, personnellement, quand j'ai vu GitOps, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? En fait, GitOps, malgré le fait que ça peut ressembler à un buzzword de plus, en fait, l'idée, comme le DevOps à la base, c'est vraiment, ça va regrouper un ensemble de pratiques et de workflows pour vraiment pouvoir gérer son infrastructure et ses déploiements directement depuis un repo Git. En gros, le GitOps, limite, si on pouvait le résumer en une catchphrase, c'est Git est la seule source de vérité. Et donc ça, c'est déjà assez intéressant, parce qu'avant, on était vraiment en mode la source de vérité, c'est la prod, et mes repos derrière, ça va alimenter la prod. Ben là, maintenant, on inverse la responsabilité. On va dire, mon code, ce qu'il y a dans Git, c'est ça qui est vraiment la source de vérité. Et ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Ah, si, tu vois. Il faut que je fasse ça. Donc voilà, les principes de GitOps, hein, pareil, on va pas faire une présentation de GitOps, parce que c'est un sujet aussi à part entière. Mais vraiment, pour la faire courte, hein, tout l'état d'un système doit être exprimé de manière explicite dans un repo Git. Alors Git, actuellement, c'est vraiment la référence. Hein. Peut-être un jour, si on a autre chose que Git, on pourra avoir le même principe. Mais voilà. Et je perds le micro. L'idée, c'est vraiment voilà, de versionner tout. Donc, c'est, encore une fois, on est dans Git, hein, donc ce qui est logique. Mais voilà, ici, chaque modification peut être reviewée, peut être motivée. Et donc, on ne peut pas dire j'ai fait un truc en vite fait, en hack, machin, et je ne sais plus ce que j'ai fait. Là, on est obligé de passer par là. L'idée aussi derrière, c'est sans préjuger de la solution technologique, c'est d'avoir un agent qui va surveiller continuellement votre repository. Alors, généralement, on va surveiller une branche, mais on peut en surveiller quand même plusieurs aussi. Et l'idée derrière, bah, c'est comme une boucle de réconciliation. Une modification est apparue sur mon repo Git, et ben, je dois réussir à l'appliquer sur mon système. Et donc, on a vraiment cette inversion de responsabilité. Avant, on alimentait et la prod, bah, en gros, c'était ça la source de vérité. Maintenant, notre repo, il y a une modif là, elle doit être forcément impactée. On peut même aller encore plus loin. L'agent, s'il détecte, par exemple, une modification sur votre système de production alors qu'elle n'est pas dans Git, bah, potentiellement, elle peut être effacée. J'ai rarement vu encore ce mode-là. Mais voilà, si on est vraiment jusqu'au boutiste, on peut très bien dire toute modification faite sur mon système qui n'est pas dans Git, je supprime. C'est un peu extrême, mais ça peut être assez intéressant. Et du coup, aussi, un concept hein, qui vient avec le GitOps, hein, c'est un peu aussi le push versus le pull. Je m'explique. Généralement, quand on a une suite de une continuous integration et deployment, ce qu'on va faire, en fait, c'est le développeur va, par exemple, rajouter du code. Le code va tourner dans la CI et après, la CI, derrière, va provoquer un déploiement. Si on est en continuous deployment. Et donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que dans notre CI, dans notre intégration continue, on va porter toute l'information qui va nous permettre d'interagir avec la production. Et donc, généralement, en fait, c'est assez compliqué de sécuriser ça pour éviter que, par exemple, quelqu'un de mal intentionné pousse du code et derrière, ça soit déployé automatiquement dans notre production. Et je pense qu'on l'a tous fait, hein. Aussi récupérer les mots de passe de prod qui soi-disant sont
Avec des étoiles, bah, on fait un base 64 et on récupère le mot de passe de prod. Voilà, c'est facile. Avec le mode GitHub, généralement, on ne va plus être dans ce mode-là. On va vraiment, c'est le système de production qui va récupérer de l'information. Et donc, c'est là, ça c'est intéressant, ça veut dire que notre intégration continue ici n'a plus aucune information pour pouvoir déployer sur la production ou autre environnement, peu importe. Et donc, l'intérêt, en fait, c'est que bah, tant que dans notre configuration, dans notre repos de configuration, on ne dit pas « prends la dernière version qui est ici bah, », ça ne sera pas déployé. Donc, on a vraiment c'est aussi ce côté, on casse le côté cascade du mode push pour rajouter quand même une petite couche aussi de sécurité. C'est assez intéressant. Il y a plein de produits pour faire du GitOps, comme le DevOps à son époque. GitOps ne veut pas dire un produit en particulier. Donc, il y a beaucoup de produits qui proposent le pattern, enfin, d'implémenter le pattern. Quand on parle de GitOps sur du Kubernetes, en fait, il y a vraiment deux produits qui vont vraiment sortir du lot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux produits-là sont tous les deux aussi dans la CNCF, donc la même fondation que Kubernetes et je ne sais plus de quoi je parlais tout à l'heure, si Helm. Donc, deux projets open source, gérés par une communauté, donc on n'a pas le vendor lock-in, et on a vraiment, par contre, deux modèles qui vont nous permettre de faire, au final, du GitOps, donc voilà tout ce que j'ai expliqué jusqu'à là. Mais on a deux produits qui ont vraiment des approches différentes. Flux va plus être un produit qui a été vraiment pensé pour faire du GitOps sur Kubernetes, donc avec beaucoup de notions calquées sur le modèle de Kubernetes. Argo, alors ici on parle que d'Argo CD. Argo CD par contre a un modèle un peu différent. Typiquement, Flux découpe beaucoup plus que Argo, qui est plus monolithique en termes de concept. Par contre, Argo, c'est une suite beaucoup plus large que juste Argo CD. Alors, pareil, hein, je ne sais pas si vous connaissez bien Argo, mais Argo, en fait, ça va permettre de gérer énormément de choses par rapport à votre cycle de vie de développement. Et donc, finalement, Argo CD n'est qu'une sous-partie de tout cet écosystème. Donc, on a deux modèles quand même qui sont par la communauté, finalement, tous les deux sont aimés par la communauté. Il n'y en a pas un qui n'est pas bien. Et du coup, c'est là où c'est compliqué de choisir, en fait. Et c'est là où on va voir que GitLab bah, aussi a eu du mal à choisir. Alors, on vous donnera les slides, hein, mais si vous voulez vraiment un détail, la comparaison des deux produits, un article de Wiskel est vraiment très bien. Moi, j'avoue que ça m'a permis vraiment de bien comprendre les différences aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir si, bah, pareil, vous voyez ces deux noms-là et vous hésitez sur quel vous voulez choisir. Alors, du coup, notre agent GitLab pour Kubernetes. En fait, on l'a dit tout à l'heure, il est en fonctionnement en GitOps. Donc, en fait, l'objectif, ça va être de déployer un agent sur votre cluster Kube. Et derrière, on va avoir une communication qui va se faire avec votre projet GitLab. Enfin, vos projets GitLab, il peut y en avoir plein. Donc là, après, c'est vraiment le schéma d'architecture. Enfin, un des schémas d'archives qu'ils ont côté GitLab, parce qu'ils veulent parler de gRPC, de REST, etc. Là, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est un peu le schéma qui vient. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est vraiment en bidirectionnel. Donc, on va tout pouvoir capter, qu'on soit dans le GitLab vers Kube ou Kube vers GitLab. Donc là, voilà, le process que Eric a détaillé un peu GitOps, hein, le développeur, il va pousser du code. Il va peut-être mettre à jour un manifeste et qui, derrière, va être observé par l'agent Kube. Et tout à ma droite, le cluster va derrière faire des choses et se configurer. Voilà, c'est du GitOps. Là, il avait détaillé, mais c'est un petit schéma. Si on revient dans GitLab, comment ça va se passer? Quand on crée un projet, je ne sais pas si vous le savez, vous avez déjà utilisé la feature, on peut créer des projets à partir d'un template. C'est-à-dire que GitLab met à disposition des templates. Si vous voulez faire, je le fais un peu à l'aveugle, mais du vu, il y a un template pour, etc., en fonction des technos. Et là, maintenant, en termes de méthodologie, ils ont mis en place des clusters, des projets de management de cluster, qui du coup contient pas mal d'informations pour débuter justement avec ce mécanisme d'agent dans Kube. Et à partir de là, le petit bouton à droite permet de tout simplement utiliser ce template et créer un projet avec les fichiers de ce template. Là, il y a une approche où du coup on sort de la plateforme GitLab, c'est pas ce que je vendais au début du talk, mais du coup là on a quand même une action qui va se faire au niveau du cluster, on va le créer. Voilà. Avant, on pouvait créer le cluster avec une méthode de certificat. J'ai dit tout à l'heure, c'est déprécié. Au niveau sécurité, ce n'est pas terrible. Donc là, ils ont vraiment changé de paradigme en disant,
Au final, les personnes qui gèrent les infra vont vraiment créer le cluster en amont. On peut le faire de différentes manières, mais il faut créer. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à s'amuser avec notre agent. Donc là, l'agent, ça va être vraiment un fichier YAML avec un répertoire. J'improvise, mais est-ce que ça marche? Non, je sais pas du tout. Du coup, en fait, on va avoir un répertoire particulier. Enfin, je ne sais pas si vous savez, dans GitLab, quand on crée un répertoire .GitLab, on va pouvoir créer des choses, des templates d'issue, des templates de MR. Ben là, maintenant, on a un nouveau répertoire agent dans lequel on va déclarer tous nos agents. C'est du YAML. Okay. Et à partir de là, on va pouvoir justement lancer une commande que, en plus, GitLab nous aide. Moi, je suis développeur back à la base, donc tout ce qui est cube, pour moi, c'est je fais du copier-coller. Du coup, ça m'arrange plutôt pas mal. GitLab me donne la commande à exécuter pour installer l'agent sur mon cluster. Et maintenant, depuis quelques mois, on l'installe avec une charte Helm. Voilà. D'où les précos de tout à l'heure d'expliquer ce que c'était. Et à partir de là, dans GitLab, ben en fait, je vais voir mon agent. On va voir qui s'est connecté. C'est super cool, la version. Un petit identifiant. Et puis, on va avoir un lien vers notre configuration. Bon, on vient de la créer, donc on sait un peu où elle se trouve. Mais à partir de là, on peut avoir des infos. Pour le moment, les informations qu'on a, elles sont, on sait si c'est connecté, ce qui est déjà bon signe. Si on se connecte sur un projet où l'agent est déconnecté, ça veut dire qu'on va avoir un petit problème de connexion avec notre cluster. Donc la méthodologie GitOps ne va pas marcher. Et généralement, un petit coup de fil à nos amis Ops serait le bienvenu pour voir pourquoi le cluster ne répond plus. Non, ça, c'est un autre problème. Un coup de fil. Coup de fil ou un Slack, un message, un pigeon, enfin, tout ce que vous voulez. Donc là, du coup, l'agent, en fait, en tant que dev, on va pouvoir le construire et on va le construire pour que la configuration GitOps fonctionne bien et que chaque commit soit surveillé pour appliquer une description. Donc la description YAML va vraiment comprendre la configuration de notre applicatif. Donc c'est-à-dire que tout à l'heure, Eric l'a dit, en fait, on ne va plus avoir de CI/CD. Donc ça, c'est quand même cool. Si on est sur des projets open source, vous savez que GitLab offre 400 minutes par mois, je crois. Donc avant, si on commençait à créer des jobs, des stages pour aller se connecter à notre cluster, le mettre à jour, etc., ben là, il n'y en a plus. Donc c'est 400 minutes dispo pour faire autre chose. Et si jamais on veut faire des opérations sur notre cluster pour des raisons X ou Y, bidouille ou cascade en tout genre, on peut quand même utiliser nos commandes, comme Eric le montrait tout à l'heure. Sauf que là, en fait, on ne va plus se connecter avec une clé de connexion de je sais pas quoi à votre cluster, on va tout simplement utiliser l'agent. Quand on a lancé l'agent, en fait, on crée vraiment un pont entre GitLab et Cube. Donc en fait, on va l'utiliser pour dire à notre infra GitLab, fais des actions sur le cluster. On verra après. Donc ça, c'est vachement sympa comme feature. Et ils ont prévu de le garder, hein, bien entendu. Et ça évite des configurations plus ou moins tordues. Et comment ça va se passer? On va déclarer notre agent dans une variable, par exemple, et derrière, on va directement effectuer des choses. On va tout simplement mettre un extend de notre configuration du dessus, et à partir de là, on fait une commande super importante pour lister les pods. Voilà, il y a une pod namespace, bon bref, c'est vraiment un exemple tout bête, mais on peut imaginer vraiment faire des déploiements d'applications ou des opérations de secret, ou, enfin, je ne sais pas, plein de choses super intéressantes. Alors on a dit, hein, l'agent il est vraiment en cours d'évolution. À un moment donné, quand ils avaient créé, du coup dans GitLab tout est ouvert, et en fait ils avaient créé une issue pour avoir un feedback. J'étais notifié à chaque message, j'ai vite arrêté parce qu'il y avait vraiment beaucoup de feedback qui était mis. Et en fait l'agent il a beaucoup évolué en un an. Après c'est très technique, Helm, enfin tout ça, mais du coup ça bouge beaucoup. Et en fait l'objectif du product owner de l'agent Cube, c'est vraiment donner un agent en mode clé en main, où en gros, on va l'installer facilement et derrière, on va pouvoir récupérer des infos de notre cluster cube. Donc là, si vous êtes curieux, il y a la roadmap qui, du coup, change. Je voulais mettre une impression d'écran. Mais donc là, on va tenter une démo. C'est là où on va commencer à se marrer. Non, ça va aller. Ça va. Donc là, normalement, on est sur un cluster. Du coup, discrètement, vous voyez. Alors, si vous êtes un peu sur le côté, je ne sais pas si vous voyez bien, par contre. Ouais. Peut-être éventuellement, mettez-vous plus en face. Je peux zoomer. Ouais, non, mais c'est le. Ouais. Ouais. Normalement, on n'a pas trop besoin de ça. On va plutôt passer par là. Donc là, j'ai un projet. Donc je l'ai créé avec le template de tout à l'heure. Et donc, dans les menus, allez, je le déplie, soyons fous. On va pouvoir directement passer par la partie infrastructure, Kubernetes Cluster.
Et là, en fait, on va se connecter à un cluster. Donc, je l'ai déjà créé, hein, vous avez compris, d'où la commande de gauche. Et là, en fait, on voit une petite combo qui s'affiche avec l'agent K. Oui, effectivement, ils ont mis une blague, je pense. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas commencé par A, mais c'est l'exemple de base. En tout cas, j'ai laissé, ça me fait bien. Donc là, en fait, l'interface de GitLab est en train de détecter que dans mon repo, je ne vais pas vous montrer, mais j'ai bien la cascade du répertoire .gitlab, agent avec un S, et un fichier qui s'appelle, un répertoire qui s'appelle agent K et un config. Et à partir de là, je vais pouvoir le sélectionner. Les petites nouveautés, on peut le créer directement. C'est-à-dire que là, on peut, je crois, mettre un agent J et je peux le créer. À partir de là, le fichier, il n'est pas disponible dans le repo. C'est là où c'est subtil, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a découvert ça il n'y a pas longtemps. Donc là, en fait, je vais, je déclare mon agent et là, il va me donner des petites commandes. Une commande Helm. Voilà, moi, je suis dev. Je ne vais pas vous expliquer ce que ça fait. Mais à partir de là, voilà, il détecte que l'agent K n'existe pas sur le cluster, et il va l'installer, etc. Il est en train de créer un namespace, c'est déployé, c'est dispo. Normalement, c'est magique. Si je fais ça, normalement, on voit qu'on a plein de trucs qui se créent. Du coup, on a des infos côté cube, et on voit qu'on a un namespace, comme il nous indique, agent K, avec un agent qui est en train de se créer. Donc à partir de là, l'agent est sur le cluster, et je l'ai configuré pour qu'il aille, entre guillemets, sniffer et surveiller un peu tous les fichiers de mon projet. Donc cool, on va laisser se créer. Normalement, tout va bien, il va se créer. C'est pas la partie la plus compliquée. Et à partir de là, on retrouve l'écran où mon agent K n'est toujours pas connecté, mais on va surveiller ça de temps en temps. Et magique, il est connecté. Sur mon projet, comment ça s'est passé? J'ai créé un fichier config.yaml. On va passer par là. Mais c'est un thème noir, donc c'est peut-être pas le mieux. On va rester là-dessus. Donc là, en fait, dans le config.yaml, vous voyez, il y a beaucoup de choses en commentaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses possibles. On peut imaginer des cas, on va dire, plus compliqués, entre guillemets. Mais là, l'objectif, ça va être de dire que déjà, ça nous rassure, on est dans un contexte GitOps. Je ne sais pas pourquoi, moi, ça me fait toujours marrer de voir ça. Mais en fait, là, on va vraiment indiquer quel est, entre guillemets, le projet à surveiller. Donc là, c'est vraiment le mien. On va lui donner un namespace par défaut, c'est-à-dire que derrière, elle va pouvoir appliquer des choses. Si votre configuration ne contient pas de namespace, il va en prendre un. Parce que là, c'est assez sympa. Et on va lui dire, ma partie GitOps, en fait, elle va surveiller le fichier deploy.yaml qui est présent dans le même repo. Et à partir de là, dès qu'une modif va être faite dessus, il va faire des actions. Et derrière, bon, si on parcourt très rapidement au niveau observabilité, on est en debug pour cracher des logs. Hein, vous avez compris que je suis dev, alors du coup, moi, il me faut un peu de logs parce que sinon, je ne vais rien comprendre à ce que je vais faire. Et après, derrière, la partie qui est en bas, en fait, c'est vraiment, entre guillemets, toutes les options possibles. Je ne vais pas les toutes les expliquer. Mais ils ont quand même voulu avoir, en fait, un paradigme où, en fait, les parties ops, ceux qui gèrent les clusters, vont avoir leur projet GitLab. Tout est Git est la source de vérité. Ils vont avoir leur configuration et vont pouvoir créer plusieurs agents qui vont pointer vers des repos différents maintenus par des devs. C'est là où ça commence à être intéressant. C'est qu'en tant que dev, on ne va pas avoir la déclaration de l'agent à faire nous-mêmes. C'est une autre personne qui connaît mieux, du coup, Cube, qui va pouvoir s'en occuper. Et à partir de là, on va pouvoir gérer des droits et utiliser une configuration Cube qui s'appelle les impersonate, que j'ai essayé de jouer un peu avec, mais du coup, sur un projet de démo, je n'ai pas tenté. Mais en gros, on va pouvoir vraiment... Là, c'est un projet démo où tout est dedans. L'agent, la configuration de notre application, même notre application, je crois qu'elle est même dedans. Enfin bref, tout est dedans. Mais dans un monde plus réel d'applicatifs, on peut vraiment avoir deux parties. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Dans le template qui m'a permis de créer ce projet, en fait, GitLab met à disposition des fichiers. Ça mange plutôt pas mal, hein, je vous l'ai dit, hein, je connais pas, je suis dev. Ils mettent à disposition des fichiers Helm qui vont permettre de configurer des applications pour nous, de tout ce qui concerne le monitoring ou sécurité. Donc, par exemple, on peut avoir une configuration Prometheus avec du coup un M-file. Vous comprenez un peu pourquoi on vous a parlé de plein de choses en amont. Et derrière, des value.yaml, donc voilà, un YAML. Avec plein de choses. Voilà. Je ne vais pas faire LinkedIn. Pourquoi ils ont voulu ça? Parce qu'en fait, ils se sont dit, si vous déployez une application, c'est quand même bien de le monitorer, hein, vous vous rappelez, c'est une des cases du DevOps, etc. Et normalement, on le montre, mais là, on ne peut plus le montrer.
Normalement, on peut voir les logs directement de notre cluster qui remontent dans GitLab. Ça, c'est quand même cool. C'est-à-dire que ça va revenir, mais à un moment donné, on pouvait vraiment déployer sur notre cluster, avoir les logs, et même si on ne connaît pas tout ce qui est Prometheus, tout ce qui est configuration YAML, en fait, ça marchait. Donc, c'était quand même cool. Si on allait dans les parties moniteur, etc., on pouvait avoir des infos qui remontent, et on pouvait même se créer des alertes. C'est-à-dire que si notre applicatif qu'on crée dans notre coin en side project pète, on a des erreurs qui remontent dans GitLab, on peut créer des issues, et en fait, on reste dans GitLab. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez cool. Moi, je travaille que dans GitLab, donc c'est vraiment quelque chose qui est très sympa. Donc GitLab, ils ont dit, bah, pourquoi pas mettre à disposition plusieurs configurations par défaut d'applications qui fonctionnent. Donc là, récemment, ils ont réduit un peu le spectre, il y en a un peu moins. Avant, il y avait du Sentry qui récupère les logs. Je n'ai plus les autres, mais il y en avait d'autres. Voilà. Là, ils ont restreint un peu la liste. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, dans mon agent, je lui ai dit vérifie du coup mon fichier deploy.yaml. Et ça, c'est moi qui l'ai créé, je suis content. Un fichier YAML avec du coup une API qui tourne. Et là, pour le moment, on va aller voir, je ne sais même plus si elle doit arriver ou pas. Et bien en fait, elle a tourné, du coup, voilà. Mon application, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez bien lu tous les namespaces, il n'y avait pas ce namespace là. Et du coup, on voit que j'ai mon application qui tourne. Donc c'est quand même cool, j'ai rien fait, elle arrive. Enfin si, j'ai fait le YAML, mais je ne l'ai pas déployé sur mon plus. Et en plus, comme, bon, vous allez voir plein de pipelines, mais là, il n'y a pas de pipeline qui est tourné. Donc là, je n'ai pas utilisé ma CI, et bah, c'est quand même cool, je trouve. Donc là, maintenant, si on s'amuse à faire une petite modif quand même, c'est ça l'effet démo. Sinon, ça serait quand même pas... Si par exemple dans mon deploy.yaml, je suis fou, je vais mettre 3 en réplica. Hop, réplica à 3. Ouais, je commit sur la branche main, soyons fous. Ne faites pas ça chez vous les enfants. C'est une cascade. Normalement, voilà, les 3 arrivent. Et du coup, j'ai toujours pas de CI/CD qui tourne. Mais moi, je trouve ça génial. Je me suis déjà retrouvé avec une notif comme quoi j'avais dépassé les 400 minutes gratuites et je ne pouvais plus développer. C'est un peu gênant. Là, maintenant, je vais pouvoir y aller. Donc là, voilà. Donc là, on voit bien l'aspect où mon commit, si on va voir les logs de l'agent, on pourrait s'amuser à les voir. On voit en fait que, bah, en fait, il a détecté mon commit, mon réplica 3, là, le super message de commit, et qu'il applique la configuration. Donc c'est quand même vraiment sympa. Et donc, du coup, on peut s'imaginer faire plein de choses. Pas sur la branche main, mais on peut s'amuser à faire plein de choses là-dessus. Qu'est-ce que du coup on pourrait remontrer? Normalement dans le GitLab.ci, tout le monde est à l'aise avec le GitLab CI? À peu près. C'est du YAML aussi. Ouais. En fait là, du coup, je vois là. En fait là, j'ai du coup un peu comme l'effet démo. Je me suis dit tiens, je vais aller voir les potes qu'il y a sur mon cluster. Et du coup, en fait, on voit qu'on met l'agent ici. Et à partir de là, le job va aller directement faire des actions. Donc avant, à un moment donné, on avait la démo où on allait créer les secrets et tout ça à la main. Là, on n'en a plus besoin, donc on ne l'a pas fait. Je ne sais pas si ça a un sens que je lance un pipeline, je ne suis pas tellement sûr. Si vous avez des questions, on ne l'a pas dit, mais n'hésitez pas. On n'est pas nombreux, je pense qu'on peut se permettre de prendre des petites questions avant de passer sur la suite. Sinon, pas vous. Non, c'est vraiment un pont comme une sorte de proxy en fait. Quoi. D'accord. L'idée c'est de pouvoir passer par là pour interagir avec le cluster et pas forcément via l'API serveur de base. Quoi. D'ailleurs, vous avez dit que si le GitLab était dans le cluster, c'était plus simple. Et que le GitHub, c'est le. Alors, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'était plus dans le cas où tu fais tourner des process directement via ta CI/CD. Et en fait, dans le modèle de Kubernetes de base, en fait, tu peux interagir avec l'API de Kubernetes. Mais du coup, c'est pas ce modèle-là. Bah, disons que de toute façon, c'est une bonne pratique. Hein, alors, c'est là où après, il faut payer les ops, mais avoir plusieurs clusters, c'est quand même la bonne idée. Généralement, mettre tout ce qui est développement et run dans le même cluster, c'est généralement pas une très bonne idée. Mais bon, après, il y en a qui l'ont fait. Hein. Ils ont eu des problèmes. Mais...
Donc si jamais vous voulez vous amuser à tester l'agent et du coup il y a des choses qui vous plaisent ou non, du coup il y a vraiment la roadmap et cette issue qui permet de donner son avis et de voir aussi comment ça évolue parce que ça évolue. Et ce qui est marrant, c'est que là c'était l'impression d'écran il y a un an. Et du coup maintenant en fait on change. Donc hop, je reviens en arrière. Il y a quand même des choses qui bougent, notamment le poids. Là on est à 73, on passe à 261. Donc ça a été un peu secoué cette chose-là. Dans la roadmap, alors bon, j'arrive pas forcément à retrouver toutes les évolutions dans les roadmaps, mais là ce qui était marrant, c'est de voir qu'il y avait des échéances qui arrivaient dans la 16, dans la 16.1. En gros, qu'est-ce qu'ils veulent rajouter? Ils veulent rajouter un terminal pour se connecter au cluster directement, un peu comme le fait GCP avec la console GCP. Intérêt ou pas, je sais pas. Ils veulent après faire une API REST pour du coup manager les agents. Notamment, je pense, les redéployer et peut-être, je sais pas, s'amuser. Enfin, c'est ce que j'ai déduit de la roadmap. L'intérêt, je ne sais pas. Je pense que je testerai pour avoir un avis. Donc, au niveau de Cube, on voit que bah, en fait, le suivi de votre cluster, on vous l'a dit, on pouvait le générer directement dans GitLab, voir des infos sur l'état de santé du cluster. On ne l'a plus maintenant avec l'aspect agent. Par contre, l'aspect GitOx, c'est quand même très sympa. Ça bouge beaucoup, je pense que ça vous l'avez compris, et que même si la volonté de fournir une clé en main, bah, on va voir que ça peut changer. Et moi, en tant que dev, j'adore le tunnel CI/CD qui est dispo avec l'agent, ça évite de créer des trucs dans Cube pour se connecter. Je sais pas si vous vous souvenez de ce slide où en fait on avait dit que c'était la solution GitOps. On avait aussi dit que du coup c'était pas fini. Bah ouais, en fait c'est pas fini. Il y a Flux qui arrive, c'est étonnant, on en a parlé juste avant. En fait, en février, il y a eu un article de blog qui est sorti. Ils se sont dit, bah tiens, dans GitLab, ce que vous devez savoir sur l'intégration de flux dans GitLab. Bon, moi, j'ai vu l'article de blog, hein, je l'ai lu en travers, ne connaissant pas Flux. Bon, j'ai admis. Et après, on voit en fait que GitLab a choisi vraiment Flux à la place d'Argo CD. C'est marrant, ces deux outils qu'on parlait tout à l'heure, et ce n'était pas voulu de base, hein, de parler des deux. Et par contre, ce qu'ils indiquent bien, c'est que l'agent Cube ne sera pas déprécié avant la 18.0. Et ça, en fait, c'est la première fois que j'ai vu ça de la part de GitLab, où vraiment ils se protègent en disant, voilà. Donc ça veut dire que la 18.0, c'est en 2025. Par contre, après. Là, du coup, là, maintenant, on pose la question, qu'est-ce qui tourne actuellement? Parce que là, c'est ça le problème, en fait. Actuellement, c'est trop de maps, en fait, qui est très mouvante et, comme tu dis, qui est vraiment par rapport à la communauté. Et du coup, c'est vrai que quand tu es côté entreprise, bah, ça devient compliqué à suivre, en fait. Et quand on avait parlé de l'agent Cube au tout départ, il y avait Philippe Scherrer de GitLab qui nous disait que les clients, bah, ceux qui travaillaient avec la version de connexion par certificat, commençaient un peu à se dire, ah, un nouveau truc, il va falloir qu'on refasse tout. Là, le fait d'avoir ces articles de blog, à mon avis, ils sont bien protégés parce que bah, ça risque de bouger un peu. Alors, du coup, moi, c'est là où j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi le lien entre les deux, en fait? Et du coup, je remets la frise. L'arrivée de Flux en 15.8 et puis du coup bah, l'agent Dienne que pouvoir en 18 points point quelque chose. Et du coup bah, on s'est dit bah, Flux va falloir qu'on teste quand même. Enfin, moi personnellement je ne connaissais pas Flux, je me suis dit bah, comment ça va marcher? Mais en fait, c'est pas très compliqué. Faut quand même comprendre deux, trois trucs. Du coup, comment ça va marcher? L'objectif en fait c'est toujours d'avoir. Alors là c'est sur la machine, ça peut être sur votre cluster, etc. D'installer Flux, c'est quand même mieux avant de l'utiliser. On va aussi créer un cluster et après en fait il y a la notion de bootstrap Flux. Qui va permettre d'initialiser une configuration Flux et faire le pont entre un projet et votre cluster. Okay. C'est une commande. Hein. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. Personnellement, je me suis crashé plusieurs fois quand même. En gros, là, l'objectif, c'est de dire quel est votre projet qui contient la configuration de votre GitOps avec Flux. Donc, ça, c'est un groupe GitLab. Ça, c'est le nom du repository. On va lui dire le nom de la branche. On va lui donner un pass. Et à partir de là, on va utiliser un déploiement de token, enfin un token de déploiement. Moi, je ne connaissais pas, en fait. C'est dans les paramètres de votre projet GitLab, il y a les tokens à votre projet. Et maintenant, enfin, à votre compte, et sur votre projet, vous pouvez avoir des tokens de déploiement. Je ne sais pas de quand ça date, moi, je ne connaissais pas du tout. Ça date de, ouais. Mais c'est Voilà. généralement quand tu mets en place voilà, des automatismes pour interagir avec ton repo, en fait. Je n'avais jamais dû Bah faire ça. non, mais ouais, c'est pas. Et à partir de là, en fait, on va configurer Flux.
avec un CRD. Alors moi, j'ai appris plein de trucs, qui s'appelle Git Repository. Donc, en fait, ça va vraiment dire, on va écrire encore du YAML. On va lui dire où est le projet à sniffer. Et à partir de là, il va configurer un projet à partir du projet de votre applicatif. En gros, voilà, on a un kind Git Repository qui existe. Et on va lui dire dans la spécification, toutes les minutes, tu vas aller vérifier le projet qui est là en mettant du coup un secret et en sniffant la branche main. Donc là, c'est vraiment l'URL de mon projet applicatif. Donc en fait, j'ai un repo qui contient la configuration de Flux et on lui dit quel est l'autre repo qui contient le code et à quelle fréquence tu vas le regarder. Pourquoi pas? Et par-dessus, on a un autre fichier YAML à faire qui tourne autour d'un kind customisation et qui va permettre de dire quel est le namespace sur lequel on détecte la configuration et sur lequel on veut l'emmener. Donc là, je me suis planté. J'avoue, franchement. Alors là, la démo, je ne vais pas refaire les manips parce que je les ai déjà faites normalement. J'ai changé de cluster, je crois. Voilà. Donc là, on retrouve déjà des flux systèmes avec encore plein de trucs. Ça, c'est des nouveaux trucs ramenés par Flux. Et on retrouve toujours mon API qui est déployé pour le moment. Tout va bien jusque-là. On va dire que la démo marche bien. Alors concrètement, comment ça marche? C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai montré un projet pour l'agent cube. Et là, en fait, du coup, je me retrouve avec deux. Un où on va configurer Flux et un autre où c'est mon application. Mon application, vous allez voir que on va retrouver un fichier que vous connaissez, c'est mon deploy pour YAML 2 tout à l'heure, hein, j'ai recopié le même. Mais par contre, la nouveauté, c'est d'avoir le fichier Flux. Le projet Flux, vous vous souvenez, le pass, où on avait cluster demo flux, en fait, c'est quand on bootstrap un projet flux, en fait, soit il existe, ou soit il va le créer lui-même. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, dans ce projet, j'ai rien fait. Enfin, j'ai pas initié, en fait, ce répertoire, où là, il y a trois fichiers YAML, on s'en fout. Clairement. Mais c'est lui qui fait vraiment l'installation de ce qu'on voit ici, là, en haut, les flux systèmes, et qui va permettre d'installer en fait l'agent GitOps qui est présent sur le cluster. Et après, bon, je me suis amusé à faire deux petits YAML, c'est les YAML que j'ai montré tout à l'heure, où en fait, je vais déclarer ma source, donc ma source de vérité, entre guillemets, de mon application, elle se trouve dans l'API démo. Avant, j'avais installé un secret, donc là, du coup, je suis obligé de le mentionner quand même. Et derrière, la customisation, c'est là où on va lui dire un peu où ça se trouve, quoi. Et du coup, à partir de là, si je reprends mon deploy.yml, hop, je le change vite fait. Allez, je vais mettre à deux. Donc là, c'est là où On va attendre 3 minutes. 3 minutes, c'est le temps par défaut mis dans Flux pour aller vérifier notre commit. Donc si on s'acharne pendant 3 minutes, ça ne va pas bouger. Mais du coup, voilà, ça peut être perturbant. Hein, mais en gros, voilà. Donc là, l'objectif, bon, l'effet démo va dire qu'un deuxième pod. Mais du coup, là, le mécanisme un peu différent, c'est que là, en tant que dev, on va confirmer notre projet, on peut se galérer sur du YAML. Mais derrière, l'objectif est le même. C'est que notre API, elle est dans un repo. Si on change la structure, et qui est vraiment la structure qui est sniffée par Flux, on va avoir notre application qui change. Donc là, bon, 3 minutes, c'est un peu long quand même, mais ça va arriver. Non, c'est ça. Mais ce qui est intéressant de voir, hein, c'est quand même cette histoire d'agent. En fait, là, on voit qu'on commence à avoir quelque chose qui va faire un peu doublon. Alors, ça y est, ça arrive. Et c'est là où on commence à se poser des questions, effectivement, leur agent, en fait, l'agent K, combien de temps il va rester? Donc ils ont dit, on garde jusqu'au 18, mais au final, l'intégration avec Flux marche aussi pas mal. Donc, Bah ouais, et puis on voit directement, dans la première démo, il y avait un projet où on disait qu'on mélangeait un peu les agents, un peu le code, etc. Sauf que là, on est obligé de le découper. Et en fait, on voit la bonne pratique qui arrive directement. Ouais. Et je serais vous, je n'irai pas sur l'agent cube, enfin, je pense que vous l'avez compris. Mais en tout cas, l'objectif GitOps c'est quand même respecté. Et du coup, la configuration se fait quand même plutôt pas mal.
Après, ce qui n'est pas déconnant, c'est d'utiliser un produit qui existe déjà plutôt qu'essayer de réinventer la roue côté GitLab. Donc, mais bon, l'investissement qui a été fait en amont avec les agents, bah, du coup, il y a de l'effort pour migrer. Quoi. Donc là, en fait, tout à l'heure, enfin, probablement quand on parle d'intégration, je ne sais pas si vous utilisez des outils intégrés par GitLab, mais habituellement, on quitte pas GitLab, en fait. Quand on fait des intégrations, je ne sais pas, avant, enfin, j'allais prendre l'exemple des cubes, mais ce n'est plus le cas. Mais vraiment, l'objectif à terme, c'est vraiment d'avoir toutes les infos de votre cluster dans GitLab, et puis, en fait, à aller faire des manifs. Enfin, là, je suis dans mon terminal, je monte des trucs. Enfin, là, l'objectif à terme, c'est vraiment d'aller voir les infos de son cluster, voir les logs de son cluster, gérer de l'alerting, donc toute la partie monitoring directement dans GitLab. Et ça, c'est un slide que j'ai vu dans une issue qui traînait, où en fait, ils ont réfléchi, ils ont créé des maquettes pour voir comment pourrait s'intégrer la gestion du cluster directement dans GitLab. Et du coup, derrière, en fait, veut dire les alertes. Hein. Donc, si on est vraiment ops, on va pouvoir recevoir des alertes sur une panne de votre cluster. Et en tant que dev, on peut aussi avoir accès en lecture. Et moi, ça, je trouve ça top. Il n'y a plus besoin d'aller sortir, d'aller chercher des secrets, comme tu disais, à droite, à gauche, pour pouvoir se connecter. Enfin, bref. Donc, en tout cas, ça bouge pas mal. Ça, c'était un screen. Hein. Ce n'est pas forcément ce qui va arriver. Hein. Clairement, j'ai pris la première des différentes propositions. Mais ça existait avant, quand on se connectait avec à des clusters cubes par certificat. On voyait vraiment le nombre de pods qui se déployaient. Et c'était quand même bien, hein, parce qu'on pouvait avoir vraiment des infos. Et je me répète, mais sans quitter GitLab, et ça, c'était quand même cool. Donc, à mon avis, ça va bouger. Alors, je ne sais pas tout du coup quand, mais récemment, vu que des articles de blog sortaient en début d'année. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a les slides qui sont là, si vous voulez les URL. Il y a mon projet démo qui, du coup, existe, si jamais ça vous... Vous pouvez voir tout l'historique de comment c'était avant. Ouais. Ça a pas mal bougé, mais en tout cas, il y a des. En tout cas, c'est très intéressant. Je trouve que moi, dans ce truc-là, j'ai appris des principes techniques autour du GitOps. Du coup, ouais, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ça. Il y a des agences, mais comment ? Ouais, faut, du coup, ouais, faut réinstaller à la main. Pour l'instant. Je l'ai jamais fait. À chaque fois, je repars de zéro, je crée des nouveaux clusters, etc. Mais derrière, il y a peut-être des scripts qui tournent. Hein. Là, derrière, je... Il n'y a pas une inception justement, de l'agent continuité Après, il y a quand même encore beaucoup de travail en fait, sur cette intégration qui a énormément bougé. En fait. La première fois qu'on l'a montré, on croyait que c'était quasiment fini. Il montrait un dashboard et tout. Et puis là, maintenant, il n'y a plus. Enfin, c'est ça qui est un petit peu surprenant, en fait, c'est que c'est côté mouvant. Et ce genre de pattern, par exemple, dont tu parles, là, le fait de mettre à jour, bah, si on propose une clé en main, normalement, au moins on propose un channel stable, par exemple, on voit, voilà, il y a encore des choses à vraiment mettre en place. Et ils ne sont pas encore, mais clairement, de toute façon, c'est un challenge. Hein. Comme disait Jean-Philippe, en fait, c'est GitLab, ce qui la différencie, par exemple, par rapport à un GitHub, c'est vraiment ce côté plateforme DevOps. Donc, ce n'est pas juste un repo de code, quoi. Et donc, du coup, faut intégrer Kubernetes parce que c'est devenu la plateforme de référence. Donc là-dessus, c'est sûr qu'ils vont y aller. Maintenant, voilà, combien de temps ça va prendre et qu'est-ce qu'ils vont faire exactement, peut-être on refera le tool dans 2 ans. Peut-être avec des jolis graphiques comme il y avait avant pour voir la CPU du cluster, etc. Alors, c'est quoi longtemps? Oui. Alors là, je ne suis pas historicien de combien de temps ça dure, mais moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est au moins il y a 5 ans à peu près. Et puis en plus, on parle de flux, mais en fait, c'est flux V2. Il y a eu une V1 avant, en fait. Donc, non, c'est bah, comme Argo, en fait. Hein, maintenant, c'est des produits relativement matures. Là, pour le coup, vraiment, si on les intègre soi-même, ça marche très bien. Si on veut utiliser autre chose... c'est pas... Là, on... Le produit Flux, ça n'a rien à voir avec GitLab. Donc du coup, effectivement, Flux, alors, je ne suis pas admin de Flux, hein, je ne sais pas comment on met à jour, mais je pense oui, la problématique est réglée. Moi, dans ma société, typiquement, on a des patterns, effectivement, où on surveille des repositories, et quand on voit des mises à jour, en fait, on lance une mise à jour, on met des tags stables, production ou pas, enfin, et donc on ne met pas n'importe quoi sur n'importe quel environnement, mais ce genre de pattern existe, en fait.
dans le monde de Kubernetes. Maintenant, il faut que ça soit intégré dans GitLab et de manière intelligente. Parce qu'effectivement, GitLab vient aussi avec toute sa stabilité et sa cohérence d'une plateforme qui est énorme. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est pas évident de juste dire on prend ce pattern-là, on le met là. Quoi. Et c'est un gros challenge hein, pour GitLab, je pense, de réussir à avoir un truc cohérent. Puis même là, Flux, j'ai installé sur mon poste pour vraiment faire le bootstrapping. Mais derrière, si on imagine dans une vraie boîte, sur une vraie application, il faut le mettre dans une CI/CD pareil, avec des images Flux peut-être surchargées par les entreprises. Après, ça peut être une stratégie qu'on peut retrouver pour d'autres produits. Quoi. Bah là, on n'est pas rentré dans le détail, hein, mais pareil, il y a tout l'aspect sécurité. Dès qu'on crée un pont vers une plateforme, derrière, il faut avoir la sécurité qui va avec. Donc, Jean-Philippe m'a montré, hein, il y avait quand même des options par rapport à ça. Mais là, on ne l'a pas montré parce que voilà, c'est trop long sinon. Mais voilà, il y a aussi ces contraintes-là derrière d'intégration en entreprise où c'est pas parce qu'on a créé un agent qu'on doit pouvoir faire n'importe quoi sur un cluster, par exemple. Quoi. Donc c'est pour ça, voilà, il y a aussi toutes ces notions-là à creuser derrière. Alors voilà, j'avoue que je n'ai pas creusé, mais voilà, il y a aussi toutes ces problématiques-là derrière qui sont importantes parce que si on crée un pont vers une plateforme, il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment. Quoi. Puis là, avec l'agent, en fait, là, je déployais de main vers le cluster. Et si derrière, on a plusieurs clusters par environnement, en prod, etc., on peut dire à tel profil ne peut pas utiliser l'agent qui envoie en production, par exemple. Donc, enfin, là, la conf, elle est quand même beaucoup plus costaud. Mais on pourrait s'imaginer plein de choses. Il va pouler. Toutes les minutes. On peut dire que sur une vie de projet, toutes les minutes, c'est peut-être un peu trop en termes de trafic et choses comme ça. Il n'y a pas un mode inverse, en fait, où c'est le source qui va dire, moi, j'ai eu un commit, réveille-toi et fais ton taf, en fait. Oui, en mode webhook. Ouais. Plutôt dans webhook, en fait. J'avoue que je ne sais pas. Sur ces produits-là, je ne sais pas. Je comprends ce que tu dis, hein, mais j'avoue que sur ces produits-là, si tu veux me faire en mode push, tu peux utiliser le tunnel de CI/CD offert par l'agent pour aller déployer autre chose, tu vois. Mais c'est pas, enfin c'est comme avant quoi. C'est ça. Mais c'est une bonne question. Une sorte de message dans une queue qui dit bah tiens, il y a du taf à faire quoi. Il y a peut-être un produit à faire. Si c'est pas le cas, ça n'existe pas déjà. C'est bon pour vous ? Merci. Ah, vas-y. Vas-y. Alors au moins, comme c'était avec l'agent. Là, comme vous l'avez testé, les logs, c'était quoi qui remontait? Donc c'était peut-être les logs de tous les conteneurs, les logs de l'application déployée, de l'agent. Ouais, comme vous parliez de logs, c'était quoi en fait? Ah, en fait, il y avait des logs applicatifs. En fait, là, dans le template cluster management, il y avait un accès Prometheus. Donc à partir de là, on peut avoir son applicatif qui envoie des logs récupérés par Prometheus. Et du coup, derrière, dans la configuration du projet GitLab, c'était pas Prometheus, mais c'est pas grave. Ouais. Oui, mais ça, on pouvait récupérer. Enfin, oui, métrique, il y avait Sentry. Ah, Sentry. On pouvait configurer en disant bah, l'URL, c'est l'adresse IP ouverte. Bon, là, ça ne marchait pas de base dans le template, mais il fallait changer un peu le truc. Mais pour aller sniffer vraiment le cluster en lui-même. Okay. Et après. C'était GitLab qui a après vont stocker les logs ? Non, ils vont les chercher direct. Ah, ils payent. Ouais. Okay. Ouais. Ouais, non, mais parce que ça peut être différent d'un log management où c'est archivé comme chez OVH, quoi. Mais c'est pour bien comprendre la différence des choses. Bah, on n'a pas, enfin, c'est là où aussi, vu que c'est assez mouvant et c'est enfin, neuf, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas expérimenté sur des projets vraiment d'une certaine ampleur et de faire ça pendant un certain temps. Là, c'est vraiment, pour le coup, c'est de la veille, beaucoup Jean-Philippe et moi, j'ai aidé sur la partie Kubernetes, mais voilà, il n'y a pas le retour en production de tout ça. Quoi. Parce qu'après, tu peux directement avoir une intégration avec Sentry en lui-même, sans avoir de cube, etc. Et du coup, ça fait à peu près Tu vas sur un Sentry, soit directement sur le site Sentry, ou sur un Sentry que tu gères sur ton cluster de Pure Compose ou je sais pas quoi. Mais derrière, voilà, ça bouge tout le temps en fait. Enfin, là, à un moment donné, les logs marchaient, on dit Eric, putain, ça marche plus. Au secours, quoi, il y a un truc problème dans le cube. Et finalement, ils avaient changé quelque chose. Quoi, donc. Mais à un moment donné, c'était quand même pas mal d'avoir. Ouais. On pouvait générer les logs, et dès qu'il y avait une log erreur, on pouvait créer dans la version premium une alerte
Et après, on pouvait même rajouter une couche en faisant Crémo Initio. Comme ça, tu pouvais peut-être l'affecter à une équipe qui gère ton projet. Et en fait, il se retrouve avec elle notifiée par mail. Non, bah, l'intégration est vraiment intéressante à terme. Maintenant, il faut y arriver, quoi. Bon, bah. Merci beaucoup. Merci pour vous.